Tous les supporters du Real a battu Betis sur la pelouse du Betis 1-0 grâce à un but de Cavarral sur une passe centre de Benzema. Quant à Luka Jovic, la Fiorentina le piste. Non, la Sampdoria de Gênes le piste en cas d'échec de Ribéry, qui est pisté aussi et qui est tenté aussi par un départ dans le golf. Quant à Mbappé, ça coince pour le faire venir alors qu'on dévoilait sa date de présentation le 11 septembre prochain et une officialisation avant le match de Reims qui fait partie du groupe. Pour ce match, le Real avait proposé 170 millions d'euros plus 10 millions de bonus qui a été refusé. Quant au journal Marca, il a déclaré son pessimisme pour la venue de Mbappé. Quant à Cavara, il a déclaré à propos d'Mbappé qu'il espérait qu'il vienne. Il a déclaré tout ce qui peut améliorer l'effectif, c'est bon. On verra, on peut se renforcer dans ces derniers jours du mercato, parce que c'est un grand joueur. Quant à Ronald Koeman, entraîneur du Barça, il a déclaré, ces chiffres sont absurdes, nous sommes dans un monde où tout le monde a des problèmes financiers ces derniers temps. C'est fou de payer autant compte tenu de la situation si Madrid a de l'argent à dépenser pour Mbappé, c'est l'un des joueurs, des meilleurs joueurs au monde. Et j'aimerais aussi l'avoir dans mon équipe, c'est frustrant, il faudra être réaliste et le club ne peut pas rivaliser. Financièrement avec Paris City ou United, c'est comme ça. Nous devons la tête. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.